je vois bien que les politiques de droite comme de gauche, d'extrême droite comme d'extrême gauche, qui depuis un an ferraillent au Parlement contre toutes les lois que nous proposons, ferraillent, et qui sont en absence totale de propositions, de programmes, de leaders réels, donc ont trouvé un moyen de s'opposer qui est le moyen, allez, le plus banal, le plus facile, parfois même, j'allais dire, celui qui est non pas le moins crédible, mais allez, le moins honorifique par ailleurs, pour faire de la politique politicienne. Et il y a, de la part de l'opposition, une récupération politique parce qu'elle veut se venger. Elle veut se venger d'avoir été éliminée de la présidentielle. Elle veut se venger de la confiance qu'ont accordé les Français à Emmanuel Macron. Elle veut se venger parce qu'aujourd'hui, elle voit que cette politique peut porter ses résultats demain et que, dans le même temps, elle n'a d'autre proposition que de calomnier. Donc voilà, allons-y, calomnions, attaquons, faisons monter chaque jour d'un grade de l'opposition, et tout ça amène, eh bien, au fracas que nous entendons actuellement, mais qui, je pense, retombera très vite.